Ok, que Dieu le bénisse tous. On continue. Grâce pour la session. Nous allons commencer notre réunion en chantant le numéro 94, Meeting in View. We will start our service by singing hymn 94. Amen. You have heard the little. Let's start again. You have heard of little Moses in the bulrush. You have heard of Phineas, David, and his name. You have heard the story told of dreaming Joseph and of Jonah and the way you often sing. There are many, many others through the Bible. I should like to meet them all and do I am.
quelqu'un en veut one, c'est bien after then you can go to the word. Ok. Je prends encore un autre chant. Et puis. Et puis, nous allons aller à Dieu pour la prière. And then we will go into prayer. Okay, we can take 129. Nous pouvons chanter le numéro 129. We can sing 129. Baptized into the body. Can we chant again? Amen. Okay, let's start again. Have you been baptized? Are you in this?
Notre Père et notre Dieu. Our Father and our God. Que ton nom soit béni, ni béni. May your name be blessed, beloved Lord. Pour cette question que tu nous adresses. For this question which you are addressing. Si nous sommes dans l'épouse de Jésus-Christ. If we are in the bride of si Jesus nous Christ. Sommes baptisés du Saint-Esprit. If we are baptized with the Holy si Spirit. Si nous avons été régénérés. If we have been regenerated. Si nous marchons dans la lumière de l'Évangile. If we walk in the light of the gospel. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Lord, we say thank you. Car ces paroles vraiment nous touchent au plus profond de nous-mêmes. For these words touch us deep within ourselves. Nous faisons comprendre que nous sommes des voyageurs de pèlerins. And make us understand that we are pilgrims and en train de voyager dans ce monde. Traveling in this world. Passant d'une ville à une autre. Passing from one city to another. Laissant l'empreinte de ta présence. And leaving the imprint of your presence. Et c'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur bien-aimé. That's why we are saying thank you. Bénis tout un chacun ce soir, Seigneur. Bless each one this evening, Lord. Donne le privilège à tout un chacun. Give the privilege to each de one. De te recevoir, de sentir encore que tu es son Dieu. To receive you and to feel that you are their God. Que tu es celui de la grâce qui veut nous donner le meilleur de toi-même. To know that you are the one that wants to give us the best of yourself. Et tu nous demandes de te donner aussi les meilleurs de nous-mêmes. And you also ask us to give you the alors best c'est pourquoi of nous te disons merci, Seigneur bien-aimé. And it's why we are saying thank you. Bénis cette réunion de ce soir. Bless this evening service. Bénis l'assemblée présente. Bless the assembly who is present. Et bénis l'assemblée qui est absente. And bless the assembly who is absent. Ou qui suit ces réunions en ligne, Père bien-aimé. All those who follow the service online. Nous te disons merci pour toutes choses. We are saying thank you to you for all things. Alors que nous avons prié ainsi. As we have prayed. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Et que Dieu soit béni. And may God be blessed. Nous allons encore chanter le 131. We will sing 131. Le numéro 131. Amen. Brave et fervent des Seigneurs trouvés. Thank you.
Nous chantons ces chants. We are singing these hymns, qui paraissent un peu comme si c'était des répétitions. That may appear to be as if it's repetition. Mais ils contiennent des messages si forts. But they contain very strong messages. Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? What will you give in exchange for your soul? Quand tu seras ainsi appelé devant la croix. When it will be called before the cross. Nous allons encore chanter notre cantique. We will sing another hymn. Et puis nous allons aller à Dieu pour la parole de ce soir. And then we will go to God for the word of this evening. 152. I will be listening. Je serai en train d'attendre d'écouter. I will be listening. Quand Dieu m'appellera. When God will call me. When the Savior calls, I will Dieu soit glorifié pour cela. May God be glorified for this. Pour le jour où il appellera. For the day when he will call. Vous savez que c'est cela l'attente de chaque véritable croyant. Do you know that this is the wait for the true waiting for each true believer? Que ce soit qu'on soit déjà endormi dans la poussière. Whether they are already sleeping in the dust. Ou qu'on soit encore sur cette terre. Or if they are already, if they are still on the earth. L'espérance est quand la trompette va sonner. The hope is that when the trumpet will sound. Que nous puissions nous tenir debout. That we may stand up. Joseph. Pouvait dire à ses frères. Could say to his brothers. Ne laissez pas mes os ici. Do not leave my bones here. Amenez mes os là-bas. Bring my bones over there. Et quand la trompette a sonné. And when the trumpet sounded. Quand Christ est ressuscité des morts. When Christ rose from the dead. Alors ils sont sortis. So they came out. Joseph est sorti. C'était une certitude pour lui. Joseph came out and it was a certainty for him. Et si nous croyons, nous nous battons dans ce monde aujourd'hui. And so we believe and we fight in this world today. Avec la même foi que Joseph. With the same faith as Joseph. Avec la même foi que tous les saints.
with the same faith as all the saints, que nous ne serons pas laissés ici-bas, that we will not be left here, quand le Seigneur reviendra. When the Lord will return. C'est très important. This is very important. Et à cause de cela, nous vivons, nous cherchons à vivre une vie qui soit digne de l'Évangile. And because of this, we seek to live a life that is worthy of the gospel. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. We will stand for the reading of the word of God. Nous croyons que la parole de Dieu est une parole vivante. We believe that the word of God is a living word. Ce n'est pas quelque chose que les gens prennent comme ça à la légère. It is not something that people take lightly. Qu'ils lisent avec, comment dire, avec une distraction. That they read with a distraction. Mais la parole de Dieu est une nourriture solide. But the word of God is a solid food. La parole de Dieu est un compagnon véritable. The word of God is a true companion. Nous allons lire cela. Dans le livre des psaumes, bien sûr, au psaume 131. In the book of Psalm 131. Nous continuons avec le message que nous avons déjà commencé depuis maintenant de quelques jours. We will continue with the message that we started a few days ago. Qui est intitulé Comme un enfant, c'est vrai. That is titled As a Weaned Child. Amen. Nous allons lire cela encore. We will read this. Éternel, je n'ai ni un cœur qui semble ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty. Neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Surely I have behaved and quieted myself. As a child that is weaned of his mother, my soul is even as a weaned child. Et Israël, met ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Amen. Seigneur, nous remettons encore une fois de plus entre ta main. Lord, we place again once more into your hands. Nous demandons maintenant au Dieu de nous parler. And ask you, O God, to speak to us. Dieu de grâce, de nous ouvrir le cœur. To open our hearts. Comme tu l'avais fait pour notre sœur Lydia. As you did for our sister Lydia. Pour que nous puissions recevoir ta parole dedans de nous. So that we may receive your word within us. Donne-nous la foi pour la croire. Give us the faith to believe in it. Et donne-nous l'obéissance pour te suivre. And give us the obedience to follow you. Bénis ceux qui écouteront en ligne. Bless those who will listen online. Et ceux qui écoutent présentement ici. And those who are listening here present. Nous avons prié ainsi, Père. We have prayed to you, Father. Dans Jésus Christ, notre Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Asseyez-vous. Be seated. Ça veut dire, Dieu m'a donné quelque chose. Do you know God gave me something? C'est la paix. This is peace. De savoir que ce que je fais. To know that what I'm doing. Que je prêche devant des foules. Whether I preach before crowds. Ou devant une personne. Or in front of one person. Que je fasse mon travail. That I'm doing my work. Sans m'inquiéter de ce qui se passe. Without worrying about what is happening. Ça, c'est une étape supérieure. This is a superior level. Parce que des fois, je me pose beaucoup de questions. Because sometimes I would ask myself many questions. But God makes no error. Nous parlons de cette maturité. We are speaking of this maturity. Que l'enfant doit avoir. That the child must have. Après sa naissance. After its birth. Après la naissance, on lui donne de la nourriture liquide. After its birth, it is given liquid food. Et cet enfant finalement grandit petit à petit. And this child starts to grow little by little. Jusqu'au moment où il commence à manger de la nourriture solide. Until the moment where it starts to eat solid food. Et quand il mange de la nourriture solide. And when it eats solid food. Alors il est satisfait. So it is satisfied. Parce que les exigences de son corps. Because the requirements from its body. Ne peut plus se contenter de ce qu'il buvait quand il était sur le genou de sa mère. Is no longer happy with what it was drinking from its mother. Non, ne peut pas être comme se contenter. Ça veut dire que il ne peut plus, ce n'était pas suffisant. It was not sufficient. De pouvoir encore continuer à boire du lait. To still only drink milk. Alors que maintenant son corps demande un peu plus de choses à manger. While his body was requiring for more things to et eat. Et si vous regardez ici. And if you see here. Il n'est pas toujours sur les genoux de sa mère. He's not always on the bosom of his mother. Parce qu'on dit qu'il est auprès de sa mère. Because it says he is. He's near his mom.
il n'est pas toujours traité comme un bébé. He's not always treated as a baby. Il a pris de l'importance. He has taken importance. Il a pris de la carrure. His muscles have grown up. Maintenant, c'est un enfant qu'on peut lui parler. Now it is a child that you can speak to. On peut le faire raisonner. And you can reason with him. On peut l'envoyer chercher de l'eau. You can send him to buy water or to get water. Il est capable de pouvoir marcher, bien sûr. For he is able to walk. Ainsi, nous avons vu, bien aimé, so we have seen, beloved, que quand Dieu nous a pris de là où nous étions, that when God took us from where we were, nous étions rien du tout. We were nothing at all. Nous étions des hommes et des femmes. We were men and women. Des fois même qu'on pouvait se moquer de nous. Sometimes people could mock us. Si nous prenons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1er. If we take in the book of 1 Corinthians chapter 1. Il est dit ceci. It says. À partir du verset 26. From verse 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Mais, écoutez, listen, nous qui avons été appelés, we who are called, nous n'avons pas été appelés parmi ceux qui peuvent se glorifier. We were not called among those who can glorify themselves. Ceux qui peuvent dire, moi je suis venu parce que moi je suis l'enfant du roi. Those who can come and say, I came, I'm the child of a king. Je suis, non, j'ai beaucoup de richesses. I have a lot of riches. Nous ne pouvons pas présenter ces choses à Dieu. We cannot present these things to God. Alors c'est pourquoi il dit ici, so that is why it says here, parmi nous qui avons été appelés, among those who have been called, on nous rappelle de faire attention. We're reminded to be careful. Considérer. Considering. Donc jetez un regard. So look. Si l'assemblée de Dieu, des enfants de Dieu, if the assembly of the children of God, il n'y a pas beaucoup, commençons, il n'y a ni beaucoup de sages. There are not many wise men. Oh, bien sûr, quand nous venons à Dieu, when we come to God, nous allons obtenir la sagesse de Dieu. We will obtain the wisdom mais of God. Il n'y a pas beaucoup de sages selon ce monde, selon la chair. But there are not many wise men according to this world. Selon la sagesse de ce monde. According to the wisdom of this world. Ni beaucoup de puissants. Nor many mighty. Ni beaucoup de nobles. Not many nobles. Il y en a quelques-uns. There are some. Mais il n'y a pas beaucoup. But there are not il n'y a pas beaucoup de nobles. There are not a lot of il n'y a pas beaucoup de puissants. There are not many mighty. Mais on dit. But it says, Dieu, mais Dieu a choisi, verset. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. But God have chosen the foolish things of the world. Pour confondre les sages. To confound the wise. Les folles choses du monde. The foolish things of vous et moi, nous sommes les folles choses du monde. You and I are the foolish things nous of the sommes world. Les gens pour lesquels on peut se moquer. We are the people in whom they can mock. Mais Dieu a choisi les faibles du monde. God chose the and God have chosen the weak things of pour the confondre world, les fortes. To confound the things which are mighty. Dieu a choisi les choses viles. And base du things monde. And base things of the world. Donc les choses vides sont les choses détestables. So the things which are vile are things that are detestable. Et celles qu'on méprise. And things which are despised. Celles qui ne sont point. Things which are despised or brought to naught. Pour réduire en ayant celles qui sont. And things which are not to bring to naught things that are. Donc Dieu a choisi des choses viles. So God chose vile things. Des choses qui n'ont pas de valeur. Things that have no value. Des choses pour lesquelles on peut marcher, on peut les piétiner sous les pieds, sous les choses, les pieds. Things that you can walk upon and squash under your feet. Des choses qui ne sont même pas. Things that are not. Pour fermer la bouche, réduire en ayant. To close the mouth and bring celles qui sont. Those that are. Afin, écoutez la raison. Listen to the reason. Ça, c'est très important pour notre message. This is very important for our message. Afin que quoi? Afin que personne that no flesh ne se glorifie devant Dieu. Should glory in his presence. Je veux qu'on relise cela. I want to reread this. Afin que ici, c'est mis nulle chair. Chez moi, c'est personne. Afin que nulle chair so that no flesh ne se glorifie devant Dieu. Should glory in his presence. Afin que personne so that no one dans les cieux
sur la terre, on the earth, et se glorifie devant Dieu. May glorify themselves. Oh, bien aimé, si nous pouvons comprendre cela, beloved, if we can understand this, afin que personne ne se... Recommençons un peu. Let us start again. Verset 26 jusqu'au verset 29. Verse 26 to verse 29. Considérez, frères, consider, brothers, que parmi vous qui avez été appelés, for ye see your calling, brethren, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, how that not many wise men after the flesh, ni beaucoup de puissants, not many mighty, ni beaucoup de nobles, not many noble. Ouais. Il y en a, there are, parce qu'on n'a pas dit qu'il n'y en a pas. Because it does not say there are not Ce sont all. Des exceptions là-dedans. There are exceptions within. Mais la majorité, but the majority, ce sont les choses, mais verset 27, verse 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. But God have chosen the foolish. Regardez la majorité. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. But God have chosen the foolish things of the world pour confondre les sages. To confound the wise. Dieu a choisi les choses faibles du monde. And God have chosen the weak things of pour the world confondre les fortes. To confound the things which are mighty. Et Dieu a choisi les choses vides. And base things of the world. What? Let me... And base things, okay. Base, en français, ça veut dire que les choses ordinaires. Comme on dit, I'm going to buy the basics. It is the... Les choses de première nécessité. Mais ici, en français... But here in French, ce n'est pas dit. It does not say. Verset 28. Oui. Mais Dieu a choisi les choses viles. But God chose the vile things. Ça veut dire ceci. This means. Ce sont des choses qui sont mauvaises. They are things which are bad, evil. Les choses qui sont de la pourriture, quoi. Things that are polluted. Et celles qu'on méprise. And that things which are despised. Celles qui ne sont pas. And the things which are not. Pour réduire en ayant celles qui sont. To bring to naught things that are. Comprenez-vous la chose? Do you understand the thing? Vous vous glorifiez aujourd'hui. You glorify yourself today. Et la Bible dit ceci. And the Bible says. Afin que personne, verset 29. Verse 29. Afin que personne ou que nul chair. So that no one or that no flesh ne se glorifie devant Dieu. Should glory in his presence. N'oubliez pas cela. Do not forget this. Que vous étiez une chose de néant. That you are something of no, you are nothing. Et Dieu vous a élevé. And God elevated you. Et maintenant continuons au verset 30. Je vais jusqu'au verset 31. And now let us continue to verse 30. I will go to verse 31. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ. But of him are ye in Christ Jesus. Qui par la volonté de Dieu. Who of God a été fait pour nous sagesse. Is made unto us wisdom. Voyez-vous, nous n'avions pas de sagesse. Do you see, we did not have wisdom. Mais Dieu a fait de Jésus-Christ pour nous sagesse. But God has made Jesus Christ for us justice, wisdom and righteousness. Sanctification. And sanctification. Et rédemption. And redemption. Notre sagesse est Jésus-Christ. Our wisdom is Jesus Christ. Il est notre justice. He is our righteousness. Il est notre rédemption. He is our redemption. Et il est notre, comment dire, il est notre sanctification. And he is our sanctification. Il est toutes ces choses. He is all of these. Nous sommes venus, mais vides. We came empty-handed. Nous n'avions rien. We have nothing. Nous ne méritons rien. We do not merit. Nous n'avons pas même quelque chose à pouvoir présenter à Dieu. We do not even have anything to present to God. Non seulement il nous a accueillis comme des pauvres que nous étions. Not only that he welcomed us, although we were avec poor, notre nudité, with our nudity, avec tout ce que nous n'avions pas, with all that we do not et have, et il nous a maintenant comblé. And he has now filled us. He has now filled us avec sa justice, with his righteousness, avec sa rédemption, with his redemption, avec sa sanctification, his sanctification, avec tous, avec sa sagesse, with his wisdom, pour que nous puissions confondre la sagesse des gens de ce monde. So that we may confound the wisdom of the people in this world. Comme il est écrit, that according as it is written, après, comme il est écrit, as, according as it is written, que celui qui se glorifie, he that glorifieth, se glorifie dans le Seigneur. Let him glory in the Lord. Parce que tout ce que nous avons, because all that we Jésus have, Christ a été fait sagesse.
Jesus Christ was made wisdom. Il a été fait justice. He was made righteousness. Il a été fait sanctification. He was made sanctification. Et rédemption pour nous. And redemption for alors, us. Alors si maintenant moi je suis racheté. So now if I am redeemed. C'est grâce à lui. It's thanks to him. Si moi maintenant je suis comment je suis justifié. If I am now justified. C'est grâce à lui. It's thanks si to him. Si maintenant moi je suis sanctifié. If I am now sanctified. C'est grâce à lui. It's thanks to si him. Si je suis devenu sage. If I have become wise. C'est grâce à lui. It's thanks to et him. Et maintenant parce qu'on dit. And now what alors, we say, comme il est écrit. That according toutes ces choses arrivent pour un but. All these things afin que l'écriture ne puisse pas être brisée. So that the scripture may not be broken. Que celui qui se glorifie. That he that glorifies. Que celui qui se glorifie. That he that glorifies. Se glorifie dans le Seigneur. Let him glory in the Lord. Amen. Amen. Que celui qui se glorifie. May he that glorifies. J'insiste là-dessus. I'm insisting upon this. Reconnaisse que c'est grâce au Seigneur. Recognize that it is thanks to the Lord. Il est écrit dans Romains au chapitre 3. It is written in Romans chapter 3. Oh, que Dieu soit glorifié. May God be glorified. Prenons le chapitre 3 à partir de verset 21 jusqu'au verset. Peut-être que je vais m'arrêter où. Ok, même jusqu'au verset 26. Let us start from verse 21 to verse 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Bien-aimé, quand vous venez à Christ, beloved, when you come to Christ, tel que vous êtes, just as you are, comme nous chantons les chants de l'Ukrainien, as we sing this hymn that tel que je suis sans rien en moi, that just as I am, without no plea. Without one plea. Yeah, one plea. Mais je viens sans rien. Mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? But now what does he do? Il me donne ces choses. Ça, par la foi. Comment il disait? Je par la foi en Jésus Christ. He gives us these things by faith in Jesus Christ. Très bon. Maintenant, verset 23 dit ceci. Now verse 23 says. Ah, c'est 23, j'ai regardé ailleurs. Car tous ont péché. For all have sinned. Et sont privés de la gloire de Dieu. And come short of the glory of God. Bien-aimé pasteur. Beloved the pastor. Bien-aimé prophète. Beloved prophet. Évangéliste. Evangelist. Ou qui que ce soit. No matter who it is. Tout le monde a péché. All have sinned. Et a été privé de la gloire de Dieu. And come short of the glory of God. Mais qu'est-ce que la Bible dit? But what does the Bible say? Et tous ces gens-là, nous tous. And all of us. Nous sommes gratuitement justifiés. Being justified freely. Par sa grâce. By his grace. Par les moyens de la rédemption. Through the redemption. Qui est en Jésus Christ. That is in Christ ah, Jesus. On peut s'arrêter là. We can stop. Je voulais lire plus loin. I wanted to read further. Mais le message est contenu là-dedans. But the message is contained nous there. Nous sommes tous justifiés. We are all justified. Par sa grâce. Non, gratuitement justifiés. We are freely justified. Par sa grâce. By his grace. Par les moyens de la rédemption. Through the redemption. Qui est en Jésus Christ. That is in Jesus Christ. Ainsi, bien aimé. So, beloved. Celui qui a fait l'expérience avec Dieu. The one who has had an experience with God. Pardonne-moi, je vais relire encore ce texte que frère Franck. Je vais juste lire. Pas tout. Forgive me, I will just read again what Brother Frank was saying. Il dit ceci. It says. Oui. La fin de ce que je vous avais dit dans ce message, prédication du 4 juin 1983, mais qui a été rediffusé il y a quelques jours, donc le 20 du 4 de ce mois, de cette année-ci. So this message was from the 4th of June 1983. J'ai noté cela, moi, je vais essayer d'imprimer ces choses ou de les garder sur mon téléphone ou sur mon iPad. Comme ça, je vais essayer de pouvoir, je vais trouver un moyen de pouvoir les avoir et les consulter, les lire aussi comme je peux. Luther voulait exprimer ici que Luther wanted to express here that que les hommes qui ont vécu la plus grande expérience avec Dieu that the men who had the greatest of experiences with God se considèrent comme les plus petits
considered themselves as the smallest, le plus indigne, the most unworthy, et ne se placent au-dessus de personne d'autre, and place themselves above nobody else. La personne qui a réellement rencontré Dieu, the person who truly has met God, la personne qui a fait une expérience avec Dieu, the person who has had an experience with God, ne se considère pas comme étant une grande personne, does not consider himself as somebody who is great, parce qu'il a, elle a été en présence de la grandeur même. Because they have been in the presence of the greatness. Il a été dans la présence de Dieu Tout-Puissant. They were in the presence of God Almighty. Il a vu ce que être grand. They saw what it means to be great. Job, quand il a eu finalement rencontré Dieu au travers de la trompette, when Job finally met God through the trumpet, il est resté comme ça. He stayed like Dieu lui disait, and God told him, que c'est lui qui s'interrompt. Donc, comment dire que c'est? God, your Lord. Yes. Hey, tiens-toi debout. And stand up. Je t'interrogerai. I will question you. Et toi, tu m'instruiras. And you will instruct me. Job ne pouvait plus parler. Job could no longer speak. Laissez-moi lire un peu sa réponse à Dieu. Let me just read his Dieu lui dit, lève-toi. God said, stand up. Discutons ensemble. Let us discuss toi qui es un grand. You who is toi qui parles mieux, you who speak better, qui est en train de te justifier, you who is justifying yourself, maintenant, now, lève-toi, rise up, et instruis-moi, and instruct me. Maintenant, Job répond. Now Job speaks again. Après avoir entendu la voix de Dieu, after hearing the voice, après avoir entendu le motif pour lequel il était dans les souffrances, after hearing the motive or the purpose for which he was in suffering, il reprend les paroles de Dieu. He retakes the word of Job God. 42. Job 42. Il dit ceci. He says, Job répondit à l'Éternel et dit, then Job answered the Lord and said, je reconnais que tu peux tout. I know that thou canst do everything. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. And that no thought can be withholden from you. Voyez-vous, maintenant, il reprend ce que Dieu lui a dit. Now he takes what God told him. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Who is he that hideth counsel that il est en train lui-même de se, comme de se condamner. He is condemning himself. Il répond parce que Dieu lui a dit ceci. C'est au verset, comment je veux dire, Job 38, verset 2. Because it is written in Job 38, verse commençons au premier jusqu'au deuxième verset, au troisième verset. Let us start from verse 1 to verse 3. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Who is he that darkeneth counsel? Par des discours sans intelligence. By words without knowledge. S'interrompt comme un voyant-on. Gird up now by loins. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. But I will demand of thee and answer thou me. Dieu dit à Job, God said to Job, toi, tu obscurcis mes desseins. You are obscuring or darkening my counsel. Maintenant, s'interrompt. Now, gird up your loins. Et je t'interrogerai. And I will demand of et you. Et toi, tu m'instruiras moi parce que toi, tu es plus sage que moi. And you will answer me since you are wiser than I am. Alors, Job, maintenant, retournons au chapitre 42. So now, let us go back to chapter 42. Job est en train maintenant. La parole de Dieu l'avait tellement mis par terre. The word of God truly put him on the floor. Il comprenait qu'il était un ver devant Dieu. He understood that he was a worm. A worm before God. Il n'était juste rien du tout, une création que Dieu pouvait détruire pas avec seulement un soupir. He was a creation that God could just destroy. Alors il dit à Dieu, so he said to God, je reconnais que tu peux. I know that thou canst do everything. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. And that no thought can be withholden from thee. Non, dit, qui quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il reprend les paroles de Dieu. Now Job takes the words of God and says, who is he that hideth counsel? Pardonnez-moi, c'est pas si Job a fait ça, mais il est en train de secouer sa tête. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? En se condamnant lui-même. Forgive me, I don't know what Job did, but he must have been bowing his head and shaking his head, saying, who is he that hideth counsel without knowledge? Il dit ceci. Himself. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Therefore, have I uttered that I understood not,
things too wonderful for me, which I knew not. Maintenant, les choses merveilleuses dont il parle. Now the wonderful thing that he spoke about here. Ses enfants étaient morts. His children had toute sa richesse était passed partie. Away. All of his wealth was gone. Il appelle maintenant tout ça de merveille. Now he speaks all of these as wonderful. Avant, c'était Dieu me combattait. Now, before it was that God was fighting. Dieu m'envoie des malheurs. God is sending bad things upon me. Il était assis dans la, sur la cendre. He was sat upon the ashes. En train de se gratter les ulcères. And scratching the boils. The boils on his skin. Et maintenant, il dit que ce sont des merveilles. But now he's calling them wonderful things. Il dit, mais Seigneur, maintenant ton plan est rempli de choses merveilleuses. And he says, now Lord, your plan is filled with wonderful things. Des merveilles qui me dépassent. Wonderful things for me, which overwhelm me. Et que je ne conçois pas, donc moi je ne pourrais jamais y penser même. So, which I knew not, so I would have not even thought about that. Il reprend encore. And he says it. Verset 4. Verse 4. Écoute-moi. Hear, I beseech thee. Et je parlerai. And I will speak. Je t'interrogerai. I will demand of thee. Et tu m'instruiras. And declare thou unto me. Moi, Dieu va t'instruire toi. I, Jah, will instruct you. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Je t'interrogerai. That's what he's saying to God. I et will demand tu m'instruiras. Moi, Jah, t'instruis. Oh, Seigneur, non. Mon reine, mon oreille avait entendu parler de toi. I have heard of thee by the hearing of the ear. Mais maintenant, mon œil t'a vu. But now my eye sees thee. C'est pourquoi. Wherefore, je me condamne et je me repens d'avoir parlé comme j'ai parlé. I abhor myself and repent. Sur la poussière as I did. Et sur la cendre. In dust and ashes. Maintenant, je retourne de nouveau sur la cendre. Now I'm returning anew on the ashes. Je me remets dans la poussière. I'm putting myself in maintenant, the dust pas pour me plaindre. Not to complain. Mais pour me condamner. But to condemn myself. Et me repentir d'avoir parlé comme ça. And to repent for having spoken like this. Je reviens. Luther voulait exprimer ici. Que les hommes qui ont vécu la plus grande expérience avec Dieu. That the men who experienced the greatest of experiences. Se considèrent comme les plus petits. They consider themselves as the least. Les plus indignes. The most unworthy. Et ne se placent au-dessus de personne d'autre. And place themselves above nobody. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a rencontré Dieu. That is a sign of somebody who has met God. Car celui qui a rencontré Dieu, for the one who has met God, devient lui-même, becomes himself, le reflet de la gloire de Dieu. The reflect of the glory of God. Dieu se reflète en lui. God reflects himself. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. And God does not like arrogance. Alors cette personne ne peut devenir que humble. So this person can only become humble. Parce qu'il sait, il a rencontré le Messie où il a rencontré son Créateur. Because that person knows that they have met their Creator. Et c'est pour cela que. And that is why. David, quand il en parle. When David speaks of him. David était quelqu'un qui était passé par le même chemin. David was somebody who went through the same way. Vous vous imaginez les jours où vraiment, comment je dis, il a vu l'ange de l'Éternel. He saw the angel of the Lord. C'est c'est 1 Samuel ou 2 Samuel? Attends, je vais regarder. C'est 1 Samuel, je crois. I'm just going to see in 1 Samuel. Non, c'est 2 Samuel. No, 2 Samuel. Oui, je suis en train de 17h. Oui. Donc, 24, verset 17. Non, même allons jusqu'au verset 15 jusqu'au verset 17. 2 Samuel 24, 15 to 17. Maintenant, on dit ceci. Now it says, l'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au temps fixé. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. Et dedans à Beersheba, pardon, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. And there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. Cette peste-là,
This pestilence était représentée par un ange was represented by qui an angel tuait parmi les enfants d'Israël. That was killing among the children of et Israel. À cause de la foi de David, and because of the faith of David, il y a mouru déjà 70 000, dont 70 000 hommes. He killed 70,000 men parmi le peuple. Among the people. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, and when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to l'Éternel s'est repenti de ses mal. The Lord repented him of the evil. Et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, and said to the angel that destroyed the people, assez, retire maintenant ta main. It is enough, stay now thine hands. L'ange d'Éternel était près de l'air d'Arvana, les Jébusiens. And the angel of the Lord was by the threshing place of Arunah. David voyant l'ange, pardon, sorry, carry on. Yeah. David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple. And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people. Dit à l'Éternel, voici j'ai péché. And said, lo, I have sinned. C'est moi qui suis coupable. And I have done wickedly. Mais ces brebis comptent-elles, fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. But these sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me and against my father's house. David avait compris. David understood. Que bien qu'il soit devenu roi, that although he had become the king, il était toujours un petit devant Dieu. He was still small before God. Quand il commettait des bêtises, when he would do bad things, Dieu le châtiait comme un père corrige son enfant. God would punish him like as a father would punish his child. Alors cela avait enseigné à David. So this taught David la crainte et le respect devant Dieu. The fear and the respect before God. Alors c'est pour ça que David me le quand il parle. So that is why when David speaks. Savez frère Branham a vu l'ange l'Éternel. Brother Branham saw the angel of the Lord. Et chaque fois qu'il est venu, il a toujours été un peu, il avait toujours un peu peur. Each time that the angel would come, Brother Branham was afraid of it. Mais David l'a vu avec l'épée dans la main. But David saw the angel with a sword in his hand. C'était un temps de guerre. It was the time of war. Et cet ange ne rigolait pas. And this angel was not joking. Dieu pouvait rigoler avec David. God could joke with David. Mais l'ange n'était pas venu pour rire avec David. But the angel did not come to joke. On aurait dit tue. Même si on avait dit tue David, il allait tuer David sur le champ. If God would have told him to kill David, he would have alors, killed David. David savait que so David knew that. Il pouvait négocier avec le père. He could negotiate with the father. Pas avec lui. Not with the angel. Voyez-vous bien aimé? Do you see, beloved? C'est pour ça que David maintenant. That is why David now. Comme nous l'avions lu dans 2 Samuel chapitre, nous sommes dans chapitre 7. As we read in 2 Samuel chapter 7. On peut les relire juste un peu. We can read it again. Nous avions lu à partir du verset, verset 8. We read from verse 8. Maintenant tu diras mon serviteur David. Now therefore, so shalt thou say unto my servant David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Thus saith the Lord of hosts. Je t'ai pris au pâturage. I took thee from the sheepcote. Derrière le brebis. From following the sheep. Pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. To be ruler over my people, over Israel. J'ai été avec toi partout où tu as marché. And I was with thee whithersoever thou wentest. J'ai exterminé, ce n'est pas toi, c'est moi, Dieu du pardon. J'ai exterminé tous tes ennemis. C'est moi qui l'ai fait. It is God who did this here. And have cut off all thine enemies out of thy sight. Devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est moi qui ai toujours fait ça. And have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. Comment est-ce que tu peux te glorifier après qu'on t'ait dit c'est moi qui ai fait? How can you glorify yourself after God said that he is the one who did it? Comment peux-tu aller te vanter devant quelqu'un d'autre que moi je suis plus grand que toi? Non! How can you go in front of somebody else and say that I'm greater than you? David avait appris une leçon. David learned a lesson. David était formé par Dieu. David was formed c'est by God. C'est pour ça maintenant quand il parle. That is why when he speaks, il dit Éternel. He said, Lord. Seigneur Éternel. Lord. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle. I do not have a haughty heart. Ni des regards hautains. Neither lofty eyes. Je ne glorifie pas. I do not glorify myself. Moi, David. I, David. Je suis ceci. I am this. J'ai été choisi par Dieu par rapport à tous mes frères. I was chosen by God among all my brothers. Je suis allé à la guerre. J'ai tué Goliath. I went to war and I killed Goliath. Toutes ces choses. All these things.
things. Dieu lui dit, c'est moi qui l'ai fait. God said to him, I'm the one who did it. Et David le savait. And David knew this. Et comme il le savait, and as he knew it, he said, je ne suis pas comme je n'ai pas de regard hautain. Je ne considère pas les autres comme étant rien du tout. I do not have lofty eyes, so I do not consider others as nothing. Mais quand je suis avec toi, but when I'm with you, comme un enfant avec sa mère, like a child with his mother, auprès de sa mère, near its mother, qui est quelqu'un qui vient vous le taper, who is, if there's some, if somebody comes, ou quoi que ce soit, or anything, il sait que la maman va le défendre. You know that he knows that his mother will defend. Alors il dit ceci à Dieu. So he says this to God. Je suis un homme tranquille, calme. My soul is calm. Retournons. Comme psaume 131, pardon. Let us go back to Psalm 31. Il dit ceci. It says, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Surely I have behaved and quieted myself. English and French sometimes they're very strange. Surely I have behaved and quieted myself. You see, they're saying things differently. Translate how I'm saying it in French. Mm-hmm. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. My soul is calm and quiet. Voilà. Ce n'est pas d'être « I have behaved myself mm-hmm. ». Qu'est-ce que tant tu as la paix, le calme devant Dieu, c'est un don que Dieu te donne. When you have peace and calmness before God, this is a gift that God gives you. Ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté comme il est traduit en anglais. Non. It's not because you have behaved yourself well, as it is said in English. Ça, c'est une grâce que Dieu te donne. That is a grace that God gives to you. Ce n'est pas toi qui t'es tenu tranquille tout seul parce que « quiet myself ». Non. You are not the one who quieted yourself. Il dit ici, it says, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. My soul is calm and quiet. Comme un enfant, c'est vrai. As a weaned child. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui est auprès de sa mère. Who is near its mother. Car tu es mon père, tu es ma mère. For you are my father and you are my mother. Et quand tu es près de moi, and when you are near j'ai l'âme calme et tranquille. My soul is calm and quiet. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. My soul is as a weaned child. Je n'ai pas d'inquiétude. I have no worries. L'enfant ne se pose pas de questions. The child does not ask questions. Est-ce que les factures de la maison sont payées? Are the bills of the house paid? Est-ce qu'il y a la nourriture dans la maison en abondance pour toute une année? Is there food in the house in abundance for? Est-ce que j'ai des habits pour pouvoir mettre demain? Do I have clothes to wear tomorrow? Est-ce que j'ai de l'eau pour boire pendant la nuit? Do I have water to drink in the night? Ce n'est pas son problème. It's not his problem. Ça, c'est la question, c'est la mère qui s'en occupe. That is the mother that occupies herself. C'est pourquoi l'enfant a l'âme calme. That is why the child has their soul et tranquille. And quiet. Et c'est ainsi que and that is how David termine en disant, David finishes his Israël, met ton espoir en l'Éternel. Let Israel hope in the Lord. Dès maintenant from hence et à jamais. Amen. Forever. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, beloved brothers and sisters, vous tous qui êtes enfants de Dieu, all of you who are children of qui God, aimez la parole de Dieu, who love the word of qui God, attendez la venue du Seigneur, who are waiting for the return of the nous Lord, avons dit que nous avons des grands pièges que l'ennemi met au devant de nous. We said that there are great snares that the enemy places before us. Souvent nous oublions d'où nous sommes venus. Often we forget from where we came from. Comment Dieu nous a appelés. How God called us. Comme nous l'avions dit dans 1 Corinthiens tout à l'heure, as we read in 1 Corinthians earlier, qu'il n'y a ni beaucoup d'appelés parmi les appelés, ni beaucoup de riches, ni de nobles, ni de puissants. That among the called there are not many wise men, neither mighty men. Observez la logique ou la façon dont Dieu agit. Observe the logic or the way that God acts. Vous savez, il y a un prophète ici. Do you know that there is a prophet here? Et on prendra peut-être deux. Amos. Maybe we will take in the book of Amos. D'abord au chapitre premier. Chapter 1. Il est ici. It says. Le premier verset. The first verse. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. The words of Amos, who among the herdmen of Tekoa. Disons qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, et la suite. Which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, and the following. Si vous regardez souvent, Dieu a pris les gens simples, des laboureurs, des bergers,
des gens pas très importants aux yeux des gens, aux yeux de la société. If you look, you'll see that God has often taken men who are simple in society, the farmers and those who worked for the sheep. Et vous savez, j'aime bien même cela. And I love this. Vous connaissez dans l'histoire de les débats entre l'homme qui était aveugle et les pharisiens et le Sanhédrin. You know the debate that took place between the man that was born blind and the Pharisees and the Sadducees. Quand on lui posait la question que l'homme aveugle allait aller, vous voulez aussi devenir ses disciples? When the question was asked to the blind man, saying, "Would you also like to be?" The blind man asked to the Pharisees. The blind man asked the Pharisees if they would also like to be his disciples. C'est Jean chapitre 9 si tu veux. It is John chapter 9 if you want. Comme ça. Il dit ceci. He says. Tout inversé. Bon, je ne l'ai pas ici. Non, bon, c'est pas grave. Je vais les dire comme ça parce que j'ai un verset que je voulais lire. There is one specific verse that I wanted to read. Oh, ce n'est peut-être pas ici. Oui, c'est ici où les pharisiens disaient. Where the Pharisees were saying. Mais cette foule. But this. Cette foule, this crowd. This crowd. Ce sont des ignorants. They are ignorant. Mais nous, ils se considèrent comme étant des intellectuels. But they consider themselves as intellectuals. Wait a moment. Ce n'est pas ici, je connais. Ici, il dit seulement, il a répondu, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté, pourquoi? Voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Verse 27, il a juré à dire, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Celui-ci, nous savons, non. Il y a un moment où ils disent que cette foule, ce sont des... C'est... Ah, check, taka. There is a moment where he says, this crowd. Excuse me, I want to just to read it to you. I don't find it. This matter. It just going to move. I will read it another time. J'ai oublié le verset. Où les Parisiens insultaient les gens qui suivaient Jésus comme étant des gens de cette foule qui est maudite, qui ne connaît rien. But the Pharisees were insulting the people who were following Jesus and saying that they are ignorant and know nothing. Lâche. Jean 7:49, lisons Jean 7:49, merci. Let us read John 7:49. Il est dit ceci. It says. Oui. Oui, c'était avec Nicodème. Non, pas avec Nicodème. Les huissiers plutôt qui sont revenus. Il lui dit, pourquoi ne l'avez-vous? Bon, verset 46. Let us read from verse 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. The officers answered, never man spake like this man. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Then answered them the Pharisees, are ye also deceived? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Voilà, c'est la preuve qu'ils avaient, c'est quelqu'un, un pharisien ou un chef avait cru en lui, c'est que c'était la vérité. Mais s'ils ne croyaient pas, c'est que c'était faux. Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. But these people who know not the law are cursed. Pourquoi est-ce qu'ils ne connaissaient pas la loi? Why do they not accept the law? D'après eux, parce que c'est eux qui les enseignaient. Because they were the ones who were teaching it. Donc c'était eux qui étaient les responsables. So they were the responsible. Si les enfants, les élèves ne connaissent pas leur matière proprement, if the students ne connaissent pas leur matière, les leçons properly. Do not understand their lessons properly. Ce n'est pas toujours leur faute. It's not always their fault. Des fois, c'est celui qui donne les cours qui est mauvais. Sometimes it's the one who gives the teaching. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. But these people who know not the law are cursed. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus, verset 50. Verse 50. Nicodemus saith unto them. Et qui était l'un d'entre eux leur dit. He that came to Jesus by night, being one of them. J'aime bien cela. Dieu leur prouvait qu'un de leurs avait cru.
I love this. God showed that one of them believed. Bien-aimés frères, beloved brothers, il y a un grand problème. There is a great problem. Nous devons savoir d'où nous venons. We must know where we came from. Amos, je retourne dans Amos. I'm returning in Amos. Amos a dit ceci, qu'il était un des bergers de Tekoa. Amos said he was a herdman of Tekoa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu finalement un débat énorme. There was an enormous debate. Dieu avait donné un message à Amos pour aller donner au peuple d'Israël. God gave a message to Amos to the people of Israel. C'était du temps du roi Roboam. It was in the time of the king Jeroboam. Alors il y avait un prédicateur, un prêtre à Bethel. So there was a preacher and a priest in Bethel. Verset 10. Verse 10. Il dit ceci. He says. Alors Amasia, prêtre de Bethel. Amos 7:10. 7:10. Ok. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Then Amasia, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos have conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. Voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of the land. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, il n'avait pas de respect, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Also Amasia said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah, and there eat bread and prophesy there. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. But prophesy not again anymore at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court. Amos répondit à Amasia. Then Amos answered. Comprenez-vous la chose? Do you understand? Amos était un prophète. Amos was a prophet. Mais quand il répond à Amasia, but when he responded to Amasia, il lui fait comprendre d'où il est venu. He made him understand where he came from. Il lui dit ceci. Amos répondit à Amasia. Amos said to Amasia. Je ne suis ni prophète. I was no prophet. Ni fils de prophète. Neither was I a prophet. Mais je suis berger. But I was an herdman. Et je cultive des sycomores. And a gatherer of sycamore fruit. Maintenant il dit, mais now, dans mon état où j'étais, but in my state where I was, en tant que berger, as a shepherd, derrière les brebis, behind the sheep, en train aussi de cultiver mes sycomores, and also cultivating the sycamore, l'Éternel m'a pris derrière les troupeaux, and the Lord took me as I followed the sheep, et l'Éternel m'a dit, and the Lord said unto me, prophétise à mon peuple d'Israël. Go prophesy unto my people Israel. Il s'est parlé. Il n'a pas commencé à discuter avec Amasia. He did not start to dispute or discuss with Amasia. Disant, je suis le grand prophète de Dieu. Saying, I am the great prophet of God. Je suis celui qui a des visions. I am the one who has vision. Il lui a rappelé. He called him. Moi que tu vois ici. I that you see here. Je suis un berger. I am a shepherd. Je suis pas un roi. I am not a king. Je suis pas un puissant. I am not someone. Je suis pas un noble. I am not a noble. Je suis un berger. I am a shepherd. Je suis un cultivateur, un laboureur. I am a cultivator or a farmer. Yes, c'est ça mon travail. That is my job. Mais derrière les brebis là-bas, but as behind the sheep, je l'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. And the Lord took me as I followed the sheep. Et m'a dit ceci. And he said, va prophétiser sur Israël. Go prophesy unto my people. Qu'est-ce que moi j'y peux? What can I do? Qu'est-ce que moi, pour un seul apôtre, comme l'apôtre Paul disait, the apostle Paul was saying, je n'ai pas résisté à la vision céleste. I did not resist to the heavenly call. C'est ça qu'il veut dire ici aussi. This is what he also wants je to n'ai say. Pas résisté
résister à l'appel de Dieu. I did not resist to the call. À la mission de Dieu. To the mission of. Mais cela ne fait pas de moi que je suis supérieur à toi. But this does not cause me to be more superior than you. Il dit, maintenant écoute la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël. Et ne parle pas contre la maison d'Isaac. Now therefore, hear thou the word of the Lord. Thou sayest, prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. C'est très important. It's very important. Quand quelqu'un a rencontré Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, when somebody has met God, as we saw earlier, qu'il a réellement rencontré Dieu, and he has truly met God, il se rend compte de sa petitesse, that he realizes his smallness, de l'inutilité de sa vie, and the uselessness of his life. Tous les prophètes qui ont marché avec Dieu, all the prophets who walked with God, à un moment ne se considéraient même pas même comme étant quelque chose d'important. At one moment, they no longer considered themselves as something important. Et cela fait que le cœur ne s'enfle pas. And this causes your heart not to become proud. La preuve que quelqu'un n'a pas réellement rencontré Dieu, the proof that somebody has not met God truly, c'est quand il devient orgueilleux, is when he becomes arrogant. Il a rencontré le père de l'orgueil. He's met the father of pride. C'est celui dont on parle dans Ézéchiel 28. He is the one that is spoken of in Ezekiel 28. Ézéchiel 28. Ezekiel 28. Et regardez un peu comment ce monsieur parle. Look at how this person is speaking. Il dit ceci. It says. Commence à partir du verset 13. Let us start from verse 13. Tu étais en Éden, les jardins des dieux, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. Attends, mais je saute pour gagner du temps. But I'm jumping to gain time. Il s'agit de Satan. It's speaking of Satan. Il est dit même que tu étais, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Thou was perfect. Non, tu as déjà vu. Maintenant, le verset 15, écoutez. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, Satan a été créé. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Satan was created. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Till iniquity was found in thee. L'iniquité, c'est un péché volontaire. Iniquity is a voluntary sin. Verset 17. Verse 17. Ton cœur s'est élevé. Thine heart was lifted up. Donc s'est enflé. So your heart became proud. Yes. À cause de ta beauté. Because of thy beauty. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Voyez-vous bien aimé? Do you see, beloved? Son cœur s'est élevé. His heart was lifted up. À cause de tout ce que Dieu lui avait donné. Because of all that God gave him. Il a oublié que c'était Dieu qui lui avait donné. He forgot that it was God who gave it to Et him. Et c'est là le combat que nous avons dans cette vie aujourd'hui. And this is a fight that we have in this life today. Regardez les belles femmes. Look at the beautiful women. Elles oublient que cette beauté leur a été donnée. They forget that this beauty was given to them. Alors elles croient qu'elles peuvent alors faire tourner tout le monde autour d'elles. And so they think that they can make the whole world turn about them. Qu'as-tu fait pour avoir cette beauté? What did you do to have this? Qu'as-tu fait pour avoir cette intelligence? What did you do to have this intelligence? Cela devait nous amener dans un état d'humilité. This must bring us into a state of humility. C'est un don, c'est quelque chose qui t'a été donné. It was a gift and something that was given to you. Mais beaucoup prennent cela. But many take this pour dominer sur les autres, to dominate over others, pour pouvoir contrôler les autres, to control others, pour pouvoir, comme on dit en français, to, as we say in French, les mener à la baguette, c'est-à-dire que les contrôler avec une baguette, quoi, comme un maître de chant. To control them like a maestro. Maestro, it is the one who is leading the symphony. To control them like a conductor. Yes. Et j'utilise ces choses-là pour pouvoir ainsi
contrôler tout le monde. And they use this to control everyone. Ainsi, la grande chose, comme Dieu a permis que nous puissions encore revenir là-dessus aujourd'hui, c'est quand quelqu'un n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. It's when somebody does not have the experience of the word of God. Nous l'avons lu ainsi dans, que ce soit dans, dans Hébreux chapitre 5. We read it, whether it be in Hebrews chapter 5. Mettons cela encore ensemble, peut-être ne pas au lieu de les citer comme ça, ce n'est pas mauvais de relire, de relire, de relire encore. Let us put things together, it's not bad to read it. Les versets 13 du chapitre 5 que nous avions lu en disant ceci. Hebrews chapter 5 verse 13. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. Et celui qui a rencontré Dieu, for he is a babe, but qui, the one who has met God, qui a réellement rencontré Dieu, and has truly met God, a fait une expérience grandiose avec Dieu. Has had a great experience with God. Et en faisant cette expérience avec Dieu, and in doing this experience with God, la personne reconnaît la grandeur de Dieu. The person realizes the greatness of God. Et la miséricorde de Dieu. And the mercy of God. Comme Marie l'avait dit très bien dans sa prière à la fin. As Mary said very well in her prayer. Que tu as jeté ton regard sur la bassesse de ton, de ta servante. That you looked upon the least of your servants. C'est ça. Dieu a regardé sur la bassesse d'un être humain. God looked upon the lowness of a human being. Et il lui a pu devenir habité avec cet être humain. And he dwelt with that human being. Dans quel temps cette expérience? When somebody has this experience, tu comprends d'où tu viens, you understand where you came et lui d'où il vient, tellement one, haut, the one who is above, so high, et vient s'asseoir avec toi dans ta cabane, okay, dans ta chaise. Amen. He comes to sit with you in your cabin or in your chair. Non, ou, toi qui as peut-être assis sur un petit tabouret. Maybe you are sat on a small stool. Et lui, il a quitté son trône. And he left his throne. Et il vient s'asseoir avec toi sur le petit tabouret. And he comes to sit with you on the small stool. Comment est-ce qu'on peut encore être orgueilleux en ce moment-là? How can we still be proud in that moment? C'est très important. Dit celui qui n'a pas rencontré Dieu. It's very important. The one who has not met God. C'est celui, même s'il prêche très bien. Even if he preaches really well. Même s'il chante très bien. Even if he sings really qu'il well. Qu'il ait n'importe quel don de le biblique même. And that he has any type of biblical gifts. Mais s'il est orgueilleux. But if he is arrogant. Il n'a pas encore rencontré Dieu. He has not yet met God. Non, non, il n'a pas encore rencontré Dieu. He has not yet met God. Et c'est pour ça que. And that is why. Si nous comptons comme je suis dans Hébreux, je reste un peu là-dessus. As I said, I'm in Hebrews, and I will stay upon this a bit. Nous avions commencé à lire dimanche, monsieur. Je n'ai pas continué Hébreux chapitre 6. We started to read on Sunday in Hebrews chapter 6, but I did not finish. Là où on disait en laissant les éléments de la parole de Dieu. There where it says in leaving the elements of the word of Christ. Tendons à ce qui est parfait. Let us go toward perfection. Sans poser de nouveau les fondements des œuvres mortes. Without placing again the foundation of non, sans poser de nouveau les fondements et du renoncement aux œuvres mortes. Without placing again the foundation of and the des œuvres mortes. Do you have it? Hebrews 6, verse 6. Go to say something, you know how to translate it properly. Yeah. Bien-aimé, quand nous regardons les choses, but I think when we see things, la façon dont la parole a évolué avec chacun d'entre nous, the way how the word of God evolved with each one of us, si vous regardez même la connaissance que vous avez aujourd'hui, if you look today at the knowledge that you have today, vous n'avez rien fait pour l'avoir. You did not do anything to have it. Quelque chose vous a été donné. Something was given to you. Deux frères ensemble. Two brothers are together. Lisant peut-être le même passage. Reading the same scripture. L'un le comprend comme ça. One understands it like this. Dans un sens. In one way. Et l'autre va dans un autre sens. Dans l'autre sens. And the other goes in another way. Des fois on se pose des questions. Sometimes we ask questions. Comment est-ce possible? And see how is this possible? Observe bien la chose. Observe it well. Ce genre de compréhension, this type of understanding, n'existe pas dans les choses naturelles. Does not exist in natural things. Quand on était à l'école, when we were at school, les professeurs nous disent, the teacher would tell us, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 equals 2. Jamais quelqu'un n'est venu dire, no, never has somebody come maintenant to say, je comprends que 1 plus 1, now I understand that 1 plus 1 égale à 2 et demi.
equals 2.5. Nous sommes tous arrivés à la même compréhension. We have all reached the same understanding. 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2. Is 2. Et tout le monde était d'accord. And everybody was in accord. Plus de discussion. No more discussion. Comment peut-on, en lisant les mêmes passages bibliques, how that when we read the same biblical scriptures, l'un voit A, one sees A, et l'autre voit B, and the other sees B, et même ils peuvent commencer à se battre, and they can even start to fight, parce que c'est lui qui a, l'autre veut imposer sa compréhension, bon, vice versa, because both want to impose their own understandings on one another. La chose qui est ici, the thing which is here, c'est que la parole de Dieu, is that the word of God, est une révélation, is a revelation, la révélation de la parole de Dieu. The revelation of the word of God. Et c'est comme ça que en Apocalypse ça commence. And that is how it starts in Revelation. On dit ceci. It says, révélation de Jésus-Christ. Revelation of Jesus Christ. Que Dieu lui a donné. That God gave to him. Révélation, c'est une révélation. Revelation is a revelation. Et quand cette révélation, vous ne l'avez pas. And when you do not have this revelation, vous avez des problèmes. You have problems. C'est comme ça que, bien-aimé, that is how, beloved, nous arrivons au point où les gens se battent entre eux. We have reached the point where people are fighting amongst themselves. L'apôtre Paul nous dit ceci. The apostle Paul tells us que ceux qui sont forts, that those who are strong, soient patients à l'égard de ceux qui sont faibles. Be patient with those who are weak. Parce que nous ne comprenons pas tous au même moment. Because we do not all understand at the same time. Et même quand il parle de la luminosité, and when he speaks of the The light. Des étoiles. Dans les étoiles. The stars. Dit que les étoiles ne brillent pas toutes de la même manière. It says that stars do not all shine in the same way. La lumière que nous avons. The light that we have. Est comment dire, est proportionnelle. Is related à la quantité de lumière que Dieu nous a donnée. To the quantity of the light that God has given to us. Chaque étoile. Each star reflète la lumière du soleil. Reflects the light of the sun. En fonction de ce qu'elle a reçu. In function with what it has received. Celle-ci brille un peu, tout petit peu. This one shines a little bit. L'autre énormément. The other shines enormously. Et c'est la même chose pour ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu. And it is the same thing for that which concerns the understanding of the word. Si on pouvait avoir la même cette compréhension là, if we can have the same understanding, il n'y aurait pas de division. There will not be any division. Il n'y aurait pas de fausses interprétations. There will not be any false interpretations. Parce qu'on comprendrait que, because we will understand that, celui-ci n'a pas encore reçu cette révélation. This one has not yet received the revelation. Il l'aura. Ne t'en fais pas, mon frère. But you will have it. Do not worry, my brother. Mais aujourd'hui, celui qui n'a pas reçu la révélation, but today, the one who has not received the revelation, il se fâche. He gets angry. Il va former son camp. He goes to form his camp. Et celui qui a reçu la révélation, and the one who has received the revelation, va aussi faire son camp. Will go and make his own camp. Il y a un grand problème. There was a great problem. Le grand problème qui est là. The great problem which is there. Continue un peu la lecture dans Hébreux chapitre 6. Let us continue the reading in Hebrews chapter 6. Allons au verset 3, comme ça jusqu'au verset 4. Let us go from verse 3 to 4. Ce que nous ferons si Dieu le permet. What we will do if God will permit it. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Qu'est-ce qui se passe faire? La parole de Dieu est annoncée dans l'église. The word of God is announced in the church. Et quand vous arrivez au point où vous voulez vous élever vous-même au-dessus même de Dieu, si je peux le dire. And when you reach the point where you lift yourselves up even above God, if I can say. Vous voulez vous élever au-dessus de tout le monde. You want to lift yourself up above everybody. Vous allez tomber dans
le rejet dans ce que Dieu ne veut pas. You will fall in the reject and in what God does not want. Et quand vous tombez là-dedans, and when you fall there, Satan, votre condition devient encore pire qu'avant. Your condition becomes worse than before. Je vais vous l'expliquer un peu autrement, donner un autre exemple. I will explain it to you in another way. L'église a commencé à la Pentecôte. The church started in Pentecost. Avec une puissance énorme. With an enormous power. Avec la nourriture, la parole de Dieu fraîche. With the fresh word of God. Avec des âmes qui étaient changées. With souls that were changed. Avec tout le monde était une seule âme, un seul cœur. Everyone was of one heart and one soul. Le Saint-Esprit est descendu. The Holy Spirit came. Des miracles s'est passé. Miracles took place. Mais après cette église-là, but after this church, dans sa marche, in its walk, est arrivé au point. It reached the point where, où ces choses originelles, where these original things, ont commencé à être délaissées, started to diminish, parmi les gens, among the people, ils ont pris des choses à gauche à droite, they took things from left to right, en sorte que même arrivé au point où dans notre, c'est là où a commencé l'Église catholique qui a continué. This is where the Catholic Church started and continued. Et ils sont devenus, ils ont adopté les manières des églises de païens. And they adopted the manners of the pagans. Jusqu'à venir aujourd'hui que leur pape c'est le représentant de Dieu sur la terre. Until it's come to the point where their pope is the representation of God. Ils disent que c'est le vicaire du Fils de Dieu sur la terre. They say that he is the vicar of God on the earth. Voyez-vous la chose? Do you see the thing? Quand ils ont fait cela, when they do this, ils se sont même carrément écartés. They themselves have completely gone astray. Du plan de salut de Dieu. From the plan of salvation of God. Et quand Dieu en parle, and when God speaks, il dit que c'est la Babylone. He says this is Babylon. La mère des prostituées. The mother of prostitutes or harlots. Il dit que on a voulu guérir Babylone. They wanted to heal Babylon. Mais elle n'a pas voulu être guérie. But she did not want to be. Vous allez arriver à un point où vous ne pouvez plus être guéri. You will reach the point where you can no longer be healed. Vous, Dieu a voulu vous guérir. God wanted to heal you. C'est dans Jérémie 50. Hein? It's in Jeremiah. Nous avons voulu guérir Babylon. We wanted to heal Babylon. Mais Oui. Jérémie 51, pardon. Jeremiah 51. On dit ceci. It says, Babylone était dans la main de l'Éternel, verset 7. Dans la main de l'Éternel, une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Babylon have been a golden cup in the Lord's hand that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine. Therefore, the nations are mad. Ah, vous direz que non, frère Paul, ça c'était l'ancienne Babylone. You will say no, brother Paul, this was the old Babylon. Si vous lisez dans Apocalypse 18, vous verrez que c'est la même chose qu'on répète. If you read in Revelation 18, you will see that the same things are repeated. Et ça, ce sont des choses qui doivent arriver. And these are things which are to take place. Apocalypse 18. Let us go to Revelation 18. Il dit ceci par le verset premier. It says from verse 1. Il dit, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean bird and hateful bird. Et puis il dit ceci. And then it says, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Si vous lisez dans Jérémie 50, verset 45, la même chose est répétée. If you read in Jeremiah 51, the same thing is repeated. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. 45. My people, go ye out of the midst of her, and deliver ye every man his soul from the fierce anger of the Lord. Babylone est tombée et ne s'est pas relevée. Babylon fell and never rose again. Nous parlons de l'ancienne Babylone. We are speaking of the old Babylon. Maintenant, la Babylone dont on parle maintenant ici, but now the Babylon that is spoken of here, c'est la grande ville, c'est Rome. It's the great city of Rome. Et l'église catholique. And the Catholic Church. La grande prostituée. The great prostitutes. Elle n'a pas voulu obéir. She did not want to obey. Dieu a tout fait. God did everything. C'est ce que je voulais lire tantôt dans dans Jérémie 51, it's what I read with you earlier, il est dit au verset 9, it says in verse 9, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. We would have healed Babylone, but she is not healed. Forsake her and let us go everyone into his own country. For her judgment reacheth unto heaven, and is lifted up even to the skies. Et c'est pour ça que, bien-aimés, and that is why, beloved, nous devons faire attention. We must be careful. C'est pourquoi je reviens à Hébreux chapitre 6. I'm going back to Hebrews chapter 6. Il dit ceci, it says, verset 7. Verse 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, Dieu envoie la pluie, le Saint-Esprit. Souvent, il envoie. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. And bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. La même chose arrivera à Babylone bientôt. The same thing will happen to Babylon later. Mais ce que nous sommes en train de dire, but what we are trying to say, Dieu dit, envoie souvent la pluie. God says, he often sends the rain pour pouvoir faire semer des bonnes choses. To try and plant good things. Mais cette terre ici, but this earth, ne produit que des roses et des chardons. Is only producing thorns and briars. Elle est en train de pouvoir amener toujours la désolation sur la terre. And is constantly bringing desolation on the earth. Bien aimé, toute personne qui s'élève, beloved, every person that lifts themselves, sera abaissée. Will be brought down. Oui, je crois que c'est. Pardonnez-moi, je vous donne beaucoup. Je crois que c'est Isaïe chapitre 6. I think it's in Isaiah 6. Donc je vais voir. Il y a un passage où il y a les jours où Dieu détruira tous ceux qui étaient débattants. Je vais voir un peu. There is a scripture where it says that God will destroy all those who rose up. Oui, non, c'est pas chapitre 6. Non, c'est. Pardonnez-moi. C'est pas 6. Non, c'est chapitre 2. Merci Seigneur. Forgive me, it's not chapter 6, but it's chapter 2. Il y a dit ceci. It says. Je vais seulement lire quelques versets. I will just read a few verses. Verset 11, commençons par verset 11 peut-être. Let's start from verse 11. C'est quand... attends, je voulais commencer... Attends. Ok. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. The lofty looks of man shall be humbled. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. And the haughtiness of men shall be bowed down. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. And the Lord alone shall be exalted in that day. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Voilà ce que je cherchais. For the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Voilà. And upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Et contre tous les cèdres du Liban, haut et élevé, et contre tous les chênes du Bazan.
and upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan. Contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, tout ce qui est élevé doit être abaissé. Continue. And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up. Contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, toutes les murailles fortifiées. And upon every high tower, and upon every fenced wall. Contre tous les navires de Tarsis, contre tout ce qui plaît à la vue. And upon all the ships of Tarshish, and upon all the pleasant pictures. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. Then the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Amen. And the Lord alone shall be exalted in that day, and the idols he shall utterly abolish. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Alléluia. Quand il s'élèvera pour effrayer la terre. And they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for fear of the Lord and for the glory of his majesty when he ariseth to shake terribly the earth. Quand l'orgueil s'empare du cœur de quelqu'un. When arrogance is not arrogance, but proudness, l'orgueil. Yeah. S'empare, rentre dans le cœur de quelqu'un. When pride enters into somebody's heart. Et tu oublies comment Dieu t'a pris. And you forget how God took you. On peut prendre, j'ai parlé d'Amos, j'ai parlé de David, j'ai Moïse, de toutes ces personnes. Élisée. Élie, on ne sait pas très bien comment il est. On dit c'est mal l'homme. Élie, il est apparu comme ça. On ne sait pas comment où Dieu l'a pris. Mais tous les enfants de Dieu, all the children of God, ont été pris dans la poussière de la terre. Were took from the dust of the earth. Ils n'étaient rien du tout. They were nothing at all. C'était des choses viles. They were vile things. C'était des choses folles. They were false. Celles pour lesquelles on se moque. Those in whom they were mocked. Celles pour lesquelles on méprise. Those in whom they would despise. Comme nous l'avons dit tantôt dans Jean chapitre 7. As you read earlier in John 7. Cette foule maudite. This cursed crowd. Qui ne connaît rien. That do not know anything. Et ce sont ces gens-là. And it's these people. Dieu t'élève. God lifts you up. Et te donne un ministère. And gives you a ministry. Tu vas à l'église. You go to church. Tu commences à prêcher. You start to preach. Les gens rentrent. The people enter. Tu dis, ah, c'est moi. And you said, I. Maintenant, tu commences à faire des choses. And you start to do. Comme si c'était toi qui étais le seul grand patron. As you were the great leader. Nous avons cela en Afrique, bien aimé, même ici en Europe, c'est partout. We have this in Africa, beloved. J'étais au Congo, il y a de ces églises terribles. I was in Congo and there are terrible things. Les pasteurs sont des milliardaires. The pastors are des milliardaires. We have billions of money. We have billions of money. Mes frères, l'argent de l'église n'est pas votre argent. But brothers, the money from church is un pasteur doit avoir un salaire. A pastor must have a salary. L'argent qu'on met dans l'église, dans l'offrande, dans les paniers d'offrande là, the money that is placed in the offerings n'est pas pour les pasteurs. Is not for the pastor. C'est pour la maison du trésor. It's for the house of treasure. Le pasteur lui-même, quand on lui paye, the pastor, when he is paid, donne aussi la dîme sur ce qu'on lui a donné. He also gives the tithe. Mais aujourd'hui, frère, but today, brother, les ministres dans la parole, the ministers in the world, si vous voulez être un homme riche, if you want to be a rich man, devenez pasteur. Become a pastor. Là, vraiment, pasteur selon le monde. That is a pastor according to the mais world. Il y a encore des pasteurs bibliques. But there are still biblical qui honorent Dieu dans toutes choses. Who honor God in everything. Et quand Dieu vous utilise comme ça, and when God uses you like this, alors vous n'avez pas un cœur qui s'enfle. Then you do not have a haughty heart. Vous n'avez pas un regard hautain. You do not have lofty eyes. Car vous avez lu ici, but we read here, il y aura un jour, there will be a day, que Dieu s'élèvera, where God will rise pour up, humilier l'orgueilleux, to humiliate the arrogant, pour abaisser ceux qui ont le regard hautain. To bring down those who have lofty eyes. Vous allez vous échapper parce que vous prêchez la parole de Dieu. You want to. Vous allez échapper. Do you think you will miss it? Parce que vous prêchez la parole de Dieu. Because you preach the word. Mais vous ne prêchez pas selon la Bible. But you do not preach according to the Bible. Mais vous ne prêchez pas selon l'esprit de Dieu. You do not preach according to the spirit. Mais vous prêchez selon l'esprit du monde. But you preach according to the spirit of the world. Nous verrons cela pas aujourd'hui parce que le temps est déjà avancé.
We will not see this today. Ou l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, when the apostle Paul speaks to Timothy, où il dit qu'il y a, c'est à 1 Timothée 6, mais je reviendrai sur ça une autre fois parce que le temps est déjà avancé, mais non, on va arrêter. It is in 1 Timothy, but we will not stop on it today. Car il dit que, verset 6, il dit, car c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée 6, 6. Nous reviendrons là-dessus, pas aujourd'hui, mais je cite seulement, on va relire cela. 1 Timothée 6, 6. Commençons au verset 5. Let's start from verse 5. Il parle, comme j'ai dit, je reviendrai, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. But godliness with contentment is great gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. And having food and raiment, let us be there with content. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez-vous, la ruine et la perdition, pas seulement spirituelle, vous avez tout perdu. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they that erred from the faith, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Maintenant, il dit ceci maintenant au véritable serviteur de Dieu. Now it says this to the true servants of God. Pour toi. But thou. Pour moi. Pour toi, homme de Dieu. For you. For thou, O man of God. Pour toi, homme de Dieu. For thou, but thou, O man of God. Fuis ces choses. Flee these things. Voyez-vous, mais Satan les pousse, mais toi. Fuis-le. But do you see, beloved, Satan pushes them, but you must flee from them. Et recherche la justice. And follow after righteousness. La piété. Godliness. Amen. La foi. Faith. L'amour. Love. La patience. Patience. La douceur. Amen. Meekness. Voici notre richesse. Amen. This is our richness. Toi, homme de Dieu. You, man of God. Non, tu n'es pas homme du diable. You're not the man of the devil. Fuis ces choses. Flee these things. Toi, recherche. Seek after la piété, righteousness, la justice, righteousness, godliness, la foi, faith, l'amour, la patience, etc. Love, patience, meekness. Voyez-vous, bien-aimé? Do you see, beloved? Si ton cœur commence à pencher vers ces choses du monde, if your heart starts to go after the things of the c'est world, un signe évident que tu, si tu peux encore les comprendre, if you can still understand it, et qu'au savoir que c'est faux. And know that it's false. Alors c'est que tu as encore la place dans l'économie de Dieu. So this means that you still have a place in God's economy. Tu peux encore te détacher de ces choses. This means that you can still detach yourself. Mais from il y a des gens qui sont là-dedans. But there are people who are in there. Qui se rendent plus compte que c'est faux. Who do not realize that et it's false. Qui défendent même cela. And even defend it. Dit que c'est normal, frère. And they say it's normal. Non, je travaille, je dois avoir cela. I'm working, so I must have this. Non, je suis désolé. No, I'm sorry. Ce n'est pas, nous sommes appelés pour sauver les âmes. We are called to save the souls. Nous ne sommes pas appelés pour aller, dépouiller. C'est ça que c'est dépouiller. Pour aller prendre, pour vider les poches des gens. We are not there to strip or to empty the pockets of people. Nous sommes là pour leur donner quelque chose pour qu'ils sortent des griffes du diable. We are here to give them something so that they may come out of Satan's grip. Et si celui qui a rencontré Dieu, so the one who has met God, devient humble, becomes humble. Donc c'est ça très important. Comme les frères n'étaient pas là,
As the brothers were not there. Vous lirez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 et la suite. You must read 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Verse 26 and the following. Oui, où Dieu, où l'apôtre Paul dit, considérez que parmi vous qui êtes appelés, consider that among you who have been called, il n'y avait pas beaucoup de nobles, there were not many nobles, des puissants, many mighty, beaucoup de rois ou quoi que ce soit, des sages de ce monde, selon la chair. Many wise men of this world, according mais to Dieu the a choisi les choses folles, but God chose the foolish things, celles qu'on méprise, those that were despised, les choses viles, the vile things, pour confondre la sagesse de ces gens ici. To confound the wisdom of these people. Donc considérez-vous comme étant une chose vile. So consider yourselves as something vile. Mais Dieu vous a lavé pour faire de vous un joyau de sa couronne. But God has washed you to make you a jewel of His crown. Et gardez toujours cette pensée au-dedans de vous. Always keep this thought within you. Et ça vous rendra humble devant Dieu. And that will make you humble before God. Et devant les hommes. And before men. Nous allons prier. We will pray. C'est encore jour de grâce. It's still a time of grace. Pour toi, pauvre pécheur. For you, poor sinner. Saisis l'instant qui passe. Take the moment that is passing. Pour venir au Sauveur. To come to the Lord. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, nos sins. Oh, viens à lui, mon frère. Oh, come to him, my brother. Pour être libéré. To be freed or liberated. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, autant roulé sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi de rois, of Jesus, King of Kings. Sa grâce incomparable, mais ne voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. T'enrôler sur la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi de l'homme. Chacun d'entre nous va prier each one of us will pray en fonction de ce que Dieu a pu dire à son cœur. In regard to what God said to his heart or his heart. Et après, je terminerai la prière. And afterward, I will finish the prayer. Prions. Let us pray. Seul élevé, mon Dieu, dans tes idoles, nous serons par tes moyens. Nous disons que nous.
balayer vers ton puissance, une coupe de chaud. Nous faisons fondre et rencontrer les étoiles de grâce ces jours-là. Merci au Dieu de grâce, nous accueillons. Pour une enfance et restez en vie. Beaucoup de sang, merci de puissance, toi, mon Dieu. Gardez tes enfants dans ta vie, de puissance et bénie. Merci, Dieu de grâce, pour ce temps de grâce. Merci pour la révélation de ta parole, de famille, mon Dieu. Et nous allons marcher dans l'humilité devant toi, Père, à tes confessions. De ma bouche, Père, à croire en toi de grâce. Je me recommande en tous les maîtres, Seigneur Dieu, pour le reflet de notre Dieu, Saint-Père, mon Dieu. Aide-moi à être comme un enfant de Dieu obéissant et soumis. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, mon Dieu. Notre Père et notre Dieu. Our Father and our God. Nous te disons merci, Seigneur bien-aimé. We are saying thank you to you, beloved Lord. Pour ta parole merveilleuse. For your wonderful word. Et pour tes consolations qui dépassent la compréhension humaine. And for your comfort that goes beyond the human understanding. Merci pour ce temps que tu nous as donné ce soir, Dieu. Thank you for this time that you have given to us. Merci pour les avertissements que tu as donnés. Thank you for the warnings that you have given. Merci, oh Dieu, pour les directives que tu donnes aussi, Père. Thank you, O God, for the directions that garde-nous toujours down. Dans cette position de simplicité et d'humilité. Garde-nous toujours dans cette position. Keep us, always keep us in this position.
de simplicité, of simplicity, et d'humilité. And humility. Dieu de grâce, que nous ne puissions pas nous considérer comme étant des grands personnages. God of grace, may we not consider ourselves as big people. Mais que nous puissions savoir que nous sommes des pécheurs. That may we recognize ourselves as sinners. Sauvés par grâce. Saved by grace. Et aujourd'hui appelés à régner avec le roi des rois. And today called to reign with the King of Kings. Dans sa grâce lui-même, elle-même, pardon. In your own grace. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Lord, this is why we are saying thank you. Nous te demandons de la grâce de répandre encore tes plus de bénédictions. We are asking, oh God, that you may pour out your rain of blessings. Sur cette parole partout où elle ira, Père Tout-Puissant. Upon this word, everywhere that it will be. Afin que chaque personne recevant cela. That each person may receive this. Puisse retourner en lui-même. May return to themselves. Disant, je suis l'enfant de Dieu. And say that I am a child of God. Et que je ne peux pas marcher selon les principes de ce monde. And that I cannot walk according to the principles. Que l'orgueil ne nous atteigne pas. That pride is not waiting for que aucune de ces choses de mentionnées dans les Écritures ne nous atteigne pas. That none of these things that are mentioned in the Scriptures be linked to us. Et que nous puissions dire comme les prophètes. And that we can see as a prophet. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. The Lord took me from following the sheep. L'Éternel m'a pris derrière c'est pas des choses de rien. The Lord took me from nothing. Et il a mis dans ma bouche sa parole aujourd'hui. And he put his word in my mouth. Pour que je puisse la proclamer. So that I may proclaim. Et toute la gloire te revienne, Seigneur. May all the glory come back to you. Et toute l'honneur te revienne, Seigneur. May all the honor return to you. Et tout notre service te soit consacré, ô Dieu. May all of our service be consecrated to your God. C'est pourquoi nous nous remettons entre ta main. That's why we submit ourselves. Aplanis nos sentiers, Père Tout-Puissant. Aplanis, comment je vais dire, make it smooth all our ways. Donne-nous de la grâce des cœurs bien disposés. Give us, God of grace, hearts that are well disposed. Fais de nous, Père Tout-Puissant, de véritables soldats du Seigneur. Make of us, Almighty Father, true soldiers of the Lord. Bénis notre assemblée, Père Tout-Puissant. Bless our assembly, Almighty Father. Nous laissons sa destinée, son futur entre ta main. We leave its destiny and its future into your hands. Toi, tu nous aides, Père Tout-Puissant. You who help us. Selon notre prière. According to our prayer, et selon la mesure de la foi que tu nous as donnée. And according to the measure of faith that you nous te recommandons le retour de tout un chacun à la maison entre ta main, Seigneur. We leave the return back home of each one of us into bénis mon frère, bénis ma sœur. Bless my brother and bless my sister. Et sois celui au Dieu qui bénisse aussi l'œuvre de leurs mains. And be the one who also blesses the works of their hands. Nous t'avons recommandé ce moment. We have submitted this moment to you, Lord. En te priant ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. In praying to you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Nous avons fini pour aujourd'hui. We are finished for today. Que Dieu soit glorifié. Nous allons nous revoir alors samedi. May God be glorified. So we will see one another on Saturday. God willing. Donc pour la réunion de prière de mi-journée. For the prayer meeting in the middle of the day. Et je rappelle que le soir à 18h, nous aurons le service de baptême pour Moses. And I'm reminding you that in the evening we will have the baptism service for Moses. Et que Dieu vous bénisse entre temps. And may God bless you in the meantime. Allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of the Lord. Amen.